this? Looks like a legend has disappeared from the Roland area. Disappeared from the Roland? You must have lost his board. You must have lost his board. Someone get the guy a board. Pas sur GTA Online aujourd'hui. Non, Banks, les gens, c'est Chris Banks. On se retrouve sur Skate 3 sur Xbox One. Alors c'est un jeu qui était sorti il y a longtemps sur 3.6. Je l'ai kické sa maman, comme on dit. À l'époque avec Smoker, d'ailleurs, petit coup de poids Smoker, Captain Sparrow, tout ça. On était les premiers, je me rappelle, mondial en contest de street en ligne. C'était il y a très longtemps. C'est un putain de jeu que j'attendais depuis il y a... Maintenant, 5 pouces, on va tous 6 pouces. Et donc là, ça fait plaisir. Il est rétro-compatible. Je l'avais déjà en galette. Moi, je suis fan du jeu, t'as vu. Quand je suis fan d'un jeu, je le garde en galette. D'ailleurs, je suis l'un des seuls gars de ma liste d'amis qui achète encore les CD. Vous voyez, et après, ils achètent en dématérialisé, etc. Mais moi, je suis toujours en mode CD, comme ceux qui achètent les CD de leur rappeur préféré, etc. Mais c'est pareil avec les jeux, tu vois. Ça, c'est un jeu qui à l'époque était assez rare parce que, comme tu peux le voir, c'est un jeu de skate. Même si tu fais pas de skate, même si tu ne fais pas de skate, j'ai déjà fait petit. Ça reste un putain de jeu de sport. C'est un jeu où tu peux rigoler en train. Donc voilà, là c'est la première chose qu'on a suivi un peu. Et c'est parti, quoi. Et si c'est pas le cas, tu pourras rentrer chez ta mère. Ok, gamin? Alors j'ai coupé direct, je t'ai mis direct une compétition parce que le jeu, t'as vu, j'ai déjà geeké, donc même si j'ai plus de niveau, j'ai toujours joué, tu vois. J'ai vu trop de youtubeurs streamer de la merde, donc si tu connais pas la chaîne, mon pote, bienvenue. Si tu veux d'autres vidéos, lâche pouce bleu, comme il dit Brad TV, voilà mon pote. Donc c'est parti, c'est une compétition de verte, mon pote. Et donc compétition de verte, c'est quoi? C'est une compétition de rampe en fait, voilà. Désolé, je fume la clope. Et voilà, comme tu peux le voir là, c'est une piste d'athlétisme skatifié, voilà, je sais pas comment on peut l'appeler. Mais c'est plutôt sympa. Donc le jeu, la jouabilité, si tu connais pas, c'est tuerie, c'est réaliste, c'est tuerie. Il y a plusieurs modes, il y a un mode facile, normal et réaliste. D'ailleurs le réaliste, c'est réaliste, si tu connais pas le jeu, ne mets pas le réaliste. Voilà, moi tout le monde joue en réaliste, j'adore ça, et ça fait plus joli. Il y a un mode éditeur dessus, donc je sais pas si je compte peut-être un montage, si ça veut dire que je peux faire un montage du jeu. Et voilà, je te conseille vraiment à la jouabilité. Si tu veux, c'est sur du stick, tu vois. Et sur skate, ça ressemble vraiment au skate, tu vois, qui clip, tu fais comme un qui clip, tac, voilà, c'est cool. Etc, etc. Donc là, c'est parler du jeu, change-le, je sais pas si tu connais tout. Moi j'avais la galette. Et au pire, cherche-le en ligne ou moi, je suis dans le magasin où tu veux, je m'en bats les couilles. En tout cas, c'est pire. Et voilà, donc je t'invite à l'enlever aussi sur moi dans ce poste TV. Je pense que tu connais. En tout cas, c'est nouveau, il y a des clubs. Et les clubs, c'est quoi? C'est comme les groupes sur Facebook et tout. Sauf que là, je suis tous les gamers qui vont manger un club. On est déjà une cinquantaine, ça fait même pas une semaine. Et tu partages tes extraits, tes images, ta chaîne YouTube même. Il y a la possibilité de créer des billets. Je peux parler de ça. C'est vraiment une tuerie. C'est une espèce de rassemblement entre guillemets. Voilà, pour ceux qui kiffent les rassemblements sur GTA Online, voilà, qui suivent ma chaîne ou GTA, GTA ici. Et donc voilà, moi j'ai fait un rassemblement avec les gars, on est déjà 15, donc les gars, rejoignez le groupe, la prochaine fois j'en ferai un autre. Et on va faire du roleplay, et grâce aux billets. Donc les billets c'est quoi? C'est créer une espèce de rassemblement sur n'importe quel jeu, que ce soit FIFA, Call of, ce que tu veux. Tu mets des tags du style français, petit temps, moi ce que j'ai mis, ce que j'ai online, roleplay, voilà. Donc tag. Et tu fais à l'heure que tu veux, même au bon moment, si tu veux, si tu veux jouer avec des gens sur le monde, même, je sais pas, si tu veux jouer avec des Français, à l'heure à du footer, bon, voilà, tu mets les gens rejoignent les billets, n'importe qui, random sur l'Xbox Live, et voilà, donc c'est cool.
on a avancé pour la série que je fais. C'est pas la chaîne, la série va au poste. Formaté, formaté. Et voilà, pour les fans de mathématiques, je vous laisse regarder par vous. Donc la compétition tour, c'est pour le système de jeu, c'est vraiment utile. On rejoint. On est parti. Comme ça se passe. Ça va plus bien. C'est sur les, directement sur l'Xbox Live et ça tue. Franchement, ça tue. La communauté, ça grandit. Dans ce projet, principalement, sans se connaître. C'est vraiment sympa. Merci pour votre. Voilà, les gars. Là, la compétition va se finir. D'abord. Non, c'est comme ça. Si tu veux d'autres vidéos de ce qu'on voit là, si tu veux. Si tu veux des vidéos sous color, faire pour un film pour faire tout aussi long. Pareil. On se capte plus tard, on se tient dessus. Banks. Banks, les gens. Ça me coupe un peu de vie. Voilà. Alors, j'ai. Capable d'assurer. Ici, tu vas apprendre les bases. Tu vas t'améliorer. Et si c'est pas le cas, tu pourras rentrer chez ta mère. Ok, gamin ?